Bonjour, je suis Didier, 53 ans, niveau 3e. J'ai eu grâce à la VAE deux diplômes, un CAP travaux paysagers, un bac pro travaux paysagers. J'ai été employé municipal à la ville de Châtel-Guyon pendant 7 ans, artisan à Nice pendant une dizaine d'années, paysagiste, et je suis actuellement au CHU de Clermont-Ferrand, paysagiste depuis 1998. N'ayant aucun titre professionnel, j'ai eu recours à la VAE pour obtenir des diplômes en vue d'une évolution de carrière. Je voulais finaliser mon cursus professionnel afin de passer des diplômes. Et ma responsable hiérarchique m'a beaucoup encouragé vu l'expérience professionnelle que j'avais acquise. Je n'avais aucune crainte particulière, sauf l'échec scolaire vu mon âge. J'ai surmonté mes craintes grâce à l'accompagnatrice qui m'a mise en confiance et qui m'a beaucoup aidé pour la méthodologie. Sur le plan personnel, ça a été très gratifiant d'obtenir deux diplômes par la VAE, ainsi que pour ma famille, et c'est une valeur d'exemple pour mes enfants qui ont été très fiers de moi. Le conseil que je donnerai aux futurs candidats, c'est de n'avoir aucune crainte, de foncer et surtout de ne pas se sous-estimer. Cécilia, formatrice au CFPP Anne-Marmilla, je suis accompagnatrice depuis une dizaine d'années et j'ai pu accompagner environ 70 candidats. L'accompagnement au dossier à la VAE a des effets bénéfiques pour le candidat. L'accompagnateur est là pour, dans un premier temps, désacraliser le dossier VAE. Il est présent pour une écoute active et répond aux questions, aux doutes et aux attentes du candidat. Puis, l'accompagnateur aide le candidat à s'approprier les deux dossiers, dans un premier temps celui de la recevabilité de la demande, puis celui présenté devant le jury. L'accompagnateur guide aussi le candidat lors de son passage à l'écrit, ainsi que son oral. À la fin du parcours, l'accompagnateur amène le candidat à mieux appréhender les attentes du juré. Il le met en confiance et lui explique comment se déroule l'entretien. Il est certain que l'accompagnement demande un investissement de temps personnel, aussi bien au candidat qu'à l'accompagnateur. Je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans, j'ai un niveau BEP et j'ai obtenu un BTSA technico-commercial par la voie de la VAE. J'ai travaillé 23 ans sur le mine de Rungis, principalement comme assistante commerciale dans différentes entreprises avec des évolutions de carrière sur des postes de responsable. J'ai eu recours à la VAE car ayant quitté la région parisienne pour m'installer dans la Loire, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir trouver du travail dans cette région. Profitant d'une réunion d'information du Pôle emploi d'Andrézieux, je me suis décidée à faire cette démarche. Des peurs, des craintes particulières? Effectivement, j'ai eu des doutes pour mener à bien ce projet, tant sur la constitution du dossier que sur le passage devant le jury. Mes accompagnatrices ont su trouver les mots justes pour me rassurer et m'aider à avancer. Mon conjoint m'a été d'un soutien sans faille. Ce BTSA me permet de postuler à des emplois auxquels je n'avais pas accès auparavant. «
Si j'ai un conseil à donner aux futurs candidats, c'est de bien cibler le diplôme en fonction de leur expérience professionnelle et de leur projet. Et de ne pas baisser les bras et de faire confiance à leur accompagnateur.